Donc la première chose qu'on fait, c'est on regarde notre graphique comme ça pour voir les points de contact entre la main droite et l'archet. Et puis là aussi, on peut tracer les points de contact sur la main. Fait que là, en premier, on a le pouce. C'est comme l'intérieur du pouce à côté de l'ongle à peu près. Ça, c'est celui que ça change un petit peu dépendant c'est qui et comment il tient. Ensuite de ça, ici sur la ligne de jointure, ici aussi, pour les trois doigts du milieu et pour le petit doigt, c'est le bout du doigt. Comme ça. Et puis là, quand on est dans la classe, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise un crayon de couleur, mais on peut utiliser n'importe quel sur des crayons. Puis on va placer chaque point de contact qu'on a dessiné ou qu'on n'a pas dessiné. En premier, moi je commence toujours avec le pouce, mais on peut commencer avec n'importe quel doigt. Fait que là on a le pouce et on place le majeur par-dessus le pouce, les autres doigts et le petit doigt sur le dessus. Ça a l'air à peu près de ça. Ok, on peut vérifier encore sur le diagramme. Fait que là on a à peu près. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne d'un côté, on tourne de l'autre. On vérifie. On se place comme ça. On place comme une barrière un peu, comme pour faire un carré, mais qui manque un côté. Puis on pointe le coude, pointe le poignet, les jointures et le petit doigt rond. Souvent, c'est à la fin qu'on tourne d'un côté puis de l'autre. Puis que là, on a transformé notre crayon en baguette magique. Voilà!